Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une recette express, vraiment une recette à faire de dernière minute, très simple et facile à réaliser en 2 minutes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je viens mettre mes œufs donc dans un bol et je vais les mélanger en omelette. Ensuite, je vais ajouter les épices. Donc, j'ai mis du sel, du poivre et les épices de 5B. Je remélange le tout avec un petit peu de coriandre également. Ensuite, je fais chauffer une poêle. Je viens y verser un petit peu d'huile. Et avec mon pinceau, je viens badigeonner sur toute la surface de la poêle. Et ensuite, je viens y verser mes œufs. Et je vais bien étaler mes œufs sur la surface de la poêle. Donc ensuite, je vais laisser cuire environ 1 minute, même pas, le temps que je vois que l'omelette commence à cuire en dessous. Et je vais venir y déposer ensuite donc une feuille, une galette à tortilla ou à tacos. Donc celle-ci, je l'ai découpée de la taille du fond de la poêle. Et je vais laisser cuire comme ça environ 1 minute. Ensuite, je vais prendre une assiette pour retourner. Et je vais venir y déposer donc une tranche de poulet. Donc vous voyez le côté arrondi de la tranche, je le tourne vers le côté arrondi de la galette et de l'omelette. Ensuite, je viens mettre du fromage râpé. Donc là, c'est du 3 fromages. Je referme en deux et je vais bien appuyer pour que toute la farce à l'intérieur se colle également à la galette et je vais laisser 30 secondes de chaque côté doré. Ensuite, je vais pouvoir retirer la galette du feu une fois que j'aurai fait les deux côtés. Donc, vous pouvez la déguster comme ça, sans la découper, mais juste en la repliant en deux. Moi, je préfère la recouper en deux, comme ça chacun prend la part qu'il a vraiment envie, il n'est pas obligé de tout manger. Donc, vous voyez à l'intérieur la farce que ça donne, enfin le jambon avec le fromage. Donc, le fromage là, il est bien fondu. Et voilà, donc ma recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si cette recette vous a plu, aussi de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!